Enjoy your music. Situé dans le département de Tibissou est en ébullition ce week-end. Et pour cause, ce samedi 27 août 2022, s'est déroulée la finale du tournoi de l'unité de la fraternité doté du trophée Victor Kwame, tournoi qui a débuté le 16 juillet dernier. Arrivé en Kwadenou, le parrain Yao Jean-Aimé Kwasi et sa délégation ont présenté leur civilité au chef du village, Maman Nguessan. Tournoi organisé par la JPDC et parrainé par Yao Jean-Aimé Kwasi, pas de Tibissou, l'on a enregistré la présence du député Victor Kwame, le secrétaire général de section Yougoué Darus Ekouna Lali, de la présidente de l'UFPDC Bouraya Rose, de la directrice départementale du sport et bien d'autres personnalités montrant l'engouement suscité par cette finale. Après le conseil du parrain et de l'honorable Victor Kwame, le coup d'envoi a été donné sur le coup de 16 heures. Nous sommes le socle et la relève de demain. Alors, nous devons rester fidèles à l'idéologie de notre parti. Nous devons rester constants, unis et solidaires sur le terrain pour que notre parti reste toujours fort et organisé. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les promesses fallacieuses de certains opportunistes politiques. Car le PCI, c'est la loyauté, c'est l'engagement, c'est la constance, c'est le respect de la hiérarchie, l'amour des autres. Rien de toi, alors nous détourner de la vision du parti, car il demeure un parti le plus expérimenté, le mieux structuré de notre pays. Les deux équipes ont gratifié les supporters d'un beau spectacle qui, à la fin, enregistrait la victoire dans Kwadenou sur un large score de 3 buts à 0. A été marqué par une belle prestation de l'artiste Boyfè. Et une musique Baba tout est à qui parler.
Kabada, Salem Reman Mamma, Salem Belong, Amoukamu from the side, Salem Rebala Mase. Yazi Gepazi, Lae Kangwai. Le PDCR DIA demeure dans son passion. Parce que à Tibissou, nous sommes dans notre passion et nous ne pouvons pas laisser la place à d'autres adversaires occupés ne serait-ce qu'un mètre carré. C'est la raison pour laquelle nous avons occupé sainement les jeunes pendant ces vacances. Je suis heureux à double titre. La première raison, c'est que cette cérémonie a été organisée par la jeunesse du PDCI RDA. Et c'est sur cette jeunesse-là que nous comptons. Et donc de telles initiatives sont à encourager. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant lorsque le président de la JPDCI m'a fait part de son projet de le soutenir. Ma deuxième satisfaction, c'est que c'était un tournoi de la fraternité. Et j'ai bien dit, puisque c'est de fraternité, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre les villages par rapport à ce tournoi. Le tournoi s'est déroulé tout le long, il n'y a pas eu de problème. Et ce soir, l'apothéose, il n'y a pas eu non plus de problème, j'en suis heureux. Je voudrais donc féliciter tous les jeunes pour cet esprit de fraternité, de camaraderie, de militantisme. C'est nécessaire que nous avancions, que nous sur la jeunesse. Thank you.
Je dis des